Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petit let's play de Saido. Saido le hors 2, le prêtre hors 2. On n'a pas trop avancé ces derniers temps, à vrai dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu Aigdo le mage côté Horde. Là, je suis beaucoup sur le pal. Mais voilà, je ne l'ai pas oublié. Donc, on va essayer d'avancer un peu dans les quêtes, tout ça, tout ça. J'ai une mission. On va la prendre, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein, ça se passe tranquillement. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, le concours est toujours là. Hein, je rappelle, 3 concours, un Facebook, un YouTube et un pour les donateurs. Tout simplement en sachant que différents lots à gagner. Donc une monture, un mois d'abo gratuit et une petite figurine pop World of Warcraft. Alors je le rappelle, hein, j'ai surtout Arthas, mais je peux avoir Illidan, Thrall, tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, sur la vidéo du concours, je vous la remettrai à la fin. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. On arrive là aujourd'hui, on est actuellement le 3 mars, 4 mars même. Et puis bah voilà, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin dans le meilleur des mondes, je sais pas, mais tout va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le prêtre. Donc bon, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Hein. De toute façon, on est toujours au même endroit. Au même niveau en tout cas. Faudra que je vende tout ça au bout d'un moment. Ça serait plutôt pas mal. Clac, clac, clac. Donc niveau 91, bon. L'avantage, c'est que je vais avoir beaucoup d'expérience en double, vu qu'il reste à dormir dans le fief. Là, on va à Ashran, c'est ça? Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Je sais que là, on va à Ashran, mais pourquoi on va à Ashran? C'est ça. Parler aux soldats, frappe sabot à fer de lance sur Ashran. Bah, très bien. Très, très bien. Très très bien, mais ça serait bien qu'on se dépêche parce que c'est pas le tout, mais le temps c'est de l'argent, hein. C'est de l'argent. Bon, en tout cas, on arrive début mars, toujours pas de bêta légion. Je sais pas, j'en parle assez régulièrement de la sortie de l'extension, chose qui m'embêterait pendant juillet-août. Hein. Vous retrouverez dans l'ancien let's play le pourquoi du comment, je vais pas me répéter. Mais c'est vrai que début mars, ouais, je sais pas. En sachant que sur les 6 zones, ils en ont débloqué que 3 sur l'alpha. Il manque toujours des spé, comme le magivre, démo destru, moine tank. Je croyais pas, aujourd'hui ils sont sortis le feral déjà. Donc ils avancent, hein, petit à petit ils avancent. L'XP est bloqué toujours à 108. Par contre aujourd'hui ils ont également sorti sur l'alpha les serveurs PVP, donc qui est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que voilà, on s'approche d'une bêta. Je pense que la bêta arrivera certainement fin du mois. Ça leur laisse un mois pour sortir le reste, ça me paraît correct. Ça fait avril la bêta. Les anciens diront la bêta ça dure 6 mois, mais les anciens diront on n'a jamais vu de grosse alpha comme ça, donc bon, je sais pas trop, je sais pas. Ouais. C'est vrai que pas mal de gens disent une sortie fin juillet serait probable. Bon, on verra, hein. De toute façon, on va pas. Mais ouais, fin juillet. Ah ouais, j'aimerais pas. Je vous le dis. Ouais, on va mettre. C'est pas bête. On va mettre ça là. On va aller voir tous les copains là-bas. On prend le Bligotron au passage. Voilà. Pap, pap, pap. On parle à Zarchin. Zarchin, au revoir. On va aller parler à Beska.
Beskar. Allez là. Hop. Waouh, t'as plein de choses. Allez, joue. Hop. Alors merci pour vos réponses sur le pourquoi du comment je perdais ma feuille, ma fleur. Pour ma forme d'ombre. Salutations. Alors en fait, quand vous Notre jouez ami est là. Shadow Priest, il faut savoir que dès lors que vous incantez un sort de soin, et ben vous perdez votre feuille forme. Oh, je vais pas y arriver, votre forme d'ombre. Voilà. Donc là par exemple, si je fais ça, clac, je me dis tiens, je me mets une main. Bam, ben voilà, je l'ai perdu. Il est perdu. Ok. Je suis obligé de la remettre à chaque fois. Ce qui est logique, hein, je pense que. Simplement pour que ça soit beaucoup plus simple. Viviane. Bah voilà, Viviane, viens à la maison, Viviane. Il y a de la place. Allez, viens, on est bien. On est bien à la maison. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à faire ici? Ouais. Ok. Donc on va retourner au fief. On va retourner au fief. On va retourner au fief. Alors, je sais pas si vous avez vu. Je pense que vous avez vu. En tout cas, je l'aurais sorti avant cette vidéo-là. Donc, la nouvelle petite vidéo hebdomadaire, on va dire, sur les nouvelles de Légion. Je pense également sortir très bientôt plusieurs tutoriels sur différentes classes. Je m'explique. Vous allez me dire, ouais, mais Agdo, t'as dit que tu jouais que mage. Voilà. Oui, effectivement, je joue que mage. Je dois avouer que depuis la sortie de WoW, je joue beaucoup moins parce que IRL, j'ai beaucoup moins le temps. Je pense vraiment me spécialiser peut-être davantage sur la sortie de Légion. C'est pour ça que j'attends énormément cette bêta afin de pouvoir vous faire partager et pouvoir pas mal aussi comment dire tester tout simplement les différentes classes et vous présenter des choses correctes. Voilà. Donc voilà après il y a des classes, je sais à peu près leurs principes, je veux dire quand je dis ça, je dis ça parce que par exemple, je sais jouer démo destru dans les grandes lignes, d'accord? Comme je sais jouer Mage Arcane dans les grandes lignes. Hein, je vous proposerai jamais des choses où je suis opti HL pour partir en mythique. Voilà, non, ça, de toute façon, ça se fait pas comme ça. Allez, sympa le bijou. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà, j'ai pas vraiment regardé. Moi, à mon niveau, j'arrive à vous faire des tutoriels corrects. Enfin, moi, j'appelle ça des tutoriels tout de même corrects. Vous expliquant les bases, en fait, de la classe et de la spécialisation. Qui vous permet, en fait, d'aller à la citadelle en NM et au fur et à mesure de récupérer à droite à gauche des infos pour pouvoir être vraiment très performant. Mais en aucun cas, j'ai dit à qui que ce soit, et je ne dirai à aucun cas à qui que ce soit, fais plus ci, fais plus ça, t'es pas au petit. Hein, c'est une phrase qui me dégoûte, t'es pas au petit. Oui, mais je suis pas au petit. Et... Bref. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ne vous inquiétez pas. Parce qu'on m'a demandé en fait des tutoriels sur d'autres classes. Voilà, j'en ferai. Alors après, il y a des classes que je ne joue pas du tout. Si je prends par exemple le moine, j'ai un moine, hein, niveau 45, un truc comme ça, mais voilà, je ne le joue pas du tout. Si par exemple je prends, je sais pas moi, War, j'ai un War, hein, niveau 88, j'ai joué pendant un moment Protect, mais je joue plus. Chasseur, pareil, je ne joue pas chasseur. Donc voilà, je vais pas vous pousser en fait à... Enfin, je vais pas vous faire des tutoriels pour faire des tutoriels. Hein. Il y en a hein, qui font des tutoriels pour faire des tutoriels, histoire d'eux. On va pas se mentir, c'est vraiment histoire d'eux, d'accord?
parce que bah tiens, ils veulent plus de vues sur des vidéos, sur leur chaîne, voilà, et en fait, ils expliquent rien. En soi, moi je veux vraiment vous proposer des choses où quand vous à la fin de la vidéo vous dites ah bah oui, Aido il m'a appris des choses, donc c'est cool, c'est cool. Donc voilà, moi c'est ce que je souhaite, donc c'est pour ça que certainement je vous ferai des tutoriels, donc notamment sur le démo, Afflis Destru, parce que c'est ce que je joue le plus. Même si je joue démo à Légion, je pense que de toute façon je le jouerai des monos parce que ça a l'air vraiment cool. Après, en mage, donc je vous ai fait les trois tutoriels. Comme je vous expliquais, actuellement je joue Paladin, Protect. Alors je peux vous faire un petit tutoriel hein, sur comment jouer tank, en sachant que voilà, à part vous expliquer les sorts à un camp au bon moment, on va dire pour vous protéger. Bon, quand on joue tank, c'est surtout des strats sur chaque boss qui diffèrent. Mais je peux vous faire ça dans les grandes lignes, y a pas de problème. Également Palahil, j'y ai joué pendant un moment, je peux toujours vous expliquer un peu les bases également, mais ça ne sera jamais vraiment de l'optimisation CroHL. Voilà, en sachant que à l'heure d'aujourd'hui, une majorité de gens jouent avec Illbot ou ce genre d'addon, donc bon, je vois pas trop le principe en fait de vouloir bon, de vouloir connaître comment se joue. Mais pour ceux les invétérés en fait, si je peux dire ça, qui veulent vraiment connaître comment se joue Palahil dans les grandes lignes, les sorts, tout ça, les priorités en tout cas, comment utiliser son sac, son sacré, etc. Il n'y a pas de souci. Je pourrais vous faire ça. Pas de problème. Bah après, en autre classe, voilà, là, le prêtre, avec vous, j'apprends un peu, hein, de ce que je peux comprendre pour l'instant, c'est Dot, attaque mentale quand on peut, et puis tu fous le fouet mental. Bon, ça a l'air quand même de faire pas trop. Enfin, c'est pas trop mal, je trouve, hein. Après, vous verrez ce que vous en pensez, mais je trouve. C'est quoi ça, les rôdeurs? Donc voilà. Voilà sur l'avenir de la chaîne. En sachant que bah voilà, il y a toujours les deux let's play hein, qui sont là, qui sont pas prêts de s'arrêter de toute façon. Je pense que Saido, vraiment je le ferai avec vous niveau 100, même à Légion, je m'en fiche, mais je le terminerai en tout cas, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. J'ai pas vraiment envie de jouer, on va dire, hors vidéo. Tout simplement parce que voilà, c'est toujours sympa de prendre un temps de pex avec vous. Alors, quand je commencerai les streams, peut-être que effectivement je le ferai en stream. Ça se peut. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore commencé les streams. Je me rends compte que voilà, le printemps arrive. Aido est aussi jardinier dans son jardin, donc il a aussi pas mal de choses à faire à l'extérieur. Donc pour le coup, j'ai pas vraiment du temps, énormément de temps à consacrer à tout ça. Voilà. Plus le taf, plus tout ça. En tout cas, je tenais vraiment à remercier à toutes les personnes qui sont là, qui commentent, qui m'envoient des messages, même qui me donnent des idées pour la chaîne. Hein. C'est vraiment cool. C'est vraiment très cool de votre part. À tous ceux qui participent au concours, enfin, il y a énormément de gens qui sont arrivés sur la page Facebook hein, que je rappelle, c'est Agdo le Mage tout simplement, la communauté, page Facebook. Énormément de gens qui sont également, enfin, qui ont participé sur la vidéo du concours sur la chaîne YouTube. Ça prévoit, ouais, ça prévoit un gros tirage. Et il y a aussi, bon, je vais pas dire énormément de gens, parce qu'actuellement il n'y en a que 5, je crois. 5. 5 personnes qui ont donné, en fait, pour la chaîne. Hein, je rappelle, si je fais un appel aux dons, je fais pas l'aumône, hein, j'ai un travail, j'ai cette chance-là. Je gagne bien ma vie, j'ai cette chance-là aussi, enfin bien ma vie. Voilà, on va dire, je mange à ma faim.
Mais si vraiment je fais cet appel en fait au don, c'est pas pour en faire un troisième salaire. C'est vraiment pour pouvoir m'acheter du matériel de qualité, pour pouvoir vous faire en fait des vidéos de qualité, hein, tout simplement. Même si je pense que je me débrouille plutôt pas trop mal par rapport au matériel que j'ai et par rapport à d'autres vidéos World of Warcraft que je peux voir. Mais bon voilà, j'insiste. Mon but c'est vraiment de vous faire plaisir, vous aider la communauté World of Warcraft. C'est pas moi qui fera en sorte qu'elle ne disparaisse pas, mais si je peux vous apporter des choses que vous ne trouvez pas, tant mieux. On est tous gagnants. Parce que j'aime bien vous aider. Ça me permet aussi de trouver aussi une motivation à jouer à World of Warcraft. Parce que enfin, sans vous mentir, si j'avais pas cette chaîne en fait Idol le Mage, je pense que ça fait un petit peu de temps que je ne jouerais plus en attendant les jeux. Voilà. Je pense, hein, parce que le soir j'ai pas le temps de raid, hein, comme vous le savez, je ne suis pas trop là le soir parce que j'ai une vie de famille et je privilégie pardon, ma vie de famille plutôt que le jeu. On va peut-être se heal quand même. Non, ça c'est l'évitation, Aido. Donc je suis pas vraiment là le soir, mais bon, je voilà. Si, oh tiens, on va le tuer. On va essayer. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que s'il n'y avait pas cette chaîne, donc s'il n'y avait pas vous, tout simplement, qui regardez cette vidéo, bah je ne serais plus sur WoW actuellement. Donc c'est cool, vraiment, vraiment c'est cool. Bah là, on va faire une petite escalade. Ça pique pas mal. Par contre, je vais mourir. Wow, c'est chaud. J'avais pas vu qu'ils étaient autant, moi. Ouais, je kite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, j'ai plus ma forme de monstre. Oh, bah. Et c'est épique, hein. Alors, ça fait mal quand même. Prêtre ombre. Bah, en fait, c'est. Par contre, je me suis fait avoir. J'ai pas eu le loot. Bon bah voilà, tant pis pour moi. Non, je disais, c'est très épique, Prêtre Ombre, parce que pour le coup, il y a pas mal de sœurs, enfin, notamment bah, le Monde de l'Ombre et la Peste. À 3 heures, ça fait beaucoup mal, ça. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Alors, ça me dit que je suis encore en train de combattre. Okay. Alors, je rappelle, hein, si vous êtes comme moi, vous êtes débutant sur le Prêtre Ombre, l'important de toute façon, les classes à dot, c'est de les poser en premier. Hein, donc posez-les en premier. Je pense que si j'arrive à 3 heures, je suis obligé de les utiliser parce que sinon, c'est de la perte. Je pense, hein. Je suis pas sûr. Donc vous posez toucher vampirique, ok. La douleur, ok. L'attaque mentale en prio par rapport au fouet mental, parce que le fouet mental, bon, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, mais vous voyez là, je peux pas spam attaque mentale. Donc, si vraiment vous n'avez pas le temps de faire le toucher vampirique, parce que bah, mine de rien, faut l'incante. Notamment pour des mobs comme ça. Je pense que le mieux c'est vraiment vous mettez moins la douleur quoi. Au moins. Chaque fois je fais prière de guérison mais ouais ok. Là je suis à 3 heures mais il fallait que je la lance parce que sinon c'est une perte de DPS. Hein. Je pense que ça doit marcher comme ça. Ouais, je sais pas vraiment, mais bon, je m'en sors en tout cas en faisant ça, alors tant mieux. On va aller rendre les quêtes, et puis on va se laisser, les amis, hein.
on aura quand même un petit peu avancé, on aura un petit peu discuté. Moi, ça me va. Ça me va, ça me va. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me va. Moi, ça me va. Étant donné qu'en plus, je vais devoir aller me stuff en PVP avec le prêtre, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Je sais pas si je vais rigoler longtemps, mais ça va être rigolo. Pourquoi j'ai cabinet enchanteur? J'avais pris comme métier enchanteur, ça? J'avais pris comme métier enchanteur. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je sais pas. C'est pas grave. On verra ça après. Hop et là. Hop et là. Hop et là. On aura quand même un petit peu avancé, c'est cool. Ouais. Je augmente pas mal, ça je la prends. C'est pas trop mal tout ça. C'est pas trop mal. Donc bah on va se laisser sur ce. Sur cette musique. Qui sont vraiment. Enfin, j'adore. J'aime beaucoup. Je vous dis à très bientôt. J'essaierai d'en sortir un assez régulièrement quand même de let's play, hein, qu'on avance un peu dans cette quête du niveau 100 hein, avec ce gobelin. Et puis, et j'avais même pas vu, mais en fait, comme quand il est dans le froid, eh ben, il y a de la fumée qui sort de sa bouche, quoi. C'est fort, c'est fort. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Ciao!